Je suis dans la rue. Et là, je croise deux arabes. Je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde. Et là, je repense au 11 septembre, Ben Laden, Ahmadinejad, niqab, prière de rue, boucherie halal. Première option, je vais les voir. Qu'est-ce que vous préparez là, un attentat? Ils se sont retournés, ils m'ont regardé, je les ai dégommés. Puis, j'ai repensé à toutes les fois où je me suis battu. Donc finalement, j'ai fait demi-tour. Hier, je suis parti dans un resto, j'ai bouffé avec Rachid, avec Hamid, avec Jean, Louis, David. C'était chambé, chambé. Attends, il y avait Jean? Ouais, Louis, David. Ouais. Hey, franchement, tu commences à t'ouvrir un peu. C'est la culture du halal, tu sais, Claude Guéant, tout ça. Excusez-moi. Excuse-moi. T'es pas un rappeur connu, toi? I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Mais non, c'est un footballeur, regarde au niveau de sa couleur, ça se voit quand même. Ah ouais, maintenant que tu me le dis, ouais. Exact. Hey, bon gosse. Hey, Sénégal, tout ça, les Noirs, j'aime beaucoup votre culture dans l'alimentation. Bamako et tout. On l'a regardé, il nous a regardé. On a fait mine de recevoir un message, on s'est barré. Allô chérie, ça va quoi? Ouais, t'as eu les retours? J'étais au téléphone avec ma petite amie. Ok. Allô? Allô, allô? 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 Là, je lève la tête et je vois un Asiat. Là, je pense à Nokia, Samsung, PlayStation, Toshiba, Sony. Excuse-moi, tu pourrais jeter un coup d'œil sur mon téléphone? Parce qu'il s'est coupé bizarrement, j'étais en communication et voilà quoi. Je pense que tu devrais t'y connaître. Et tu veux un rouleau de printemps et du riz cantonné aussi? Allô? Ah bah c'est ça remarche, merci. J'allais au taf en écoutant de la musique. Plus loin, je vois une fille qui s'approche de moi. Je m'approche d'elle, elle s'approche de moi. Et là, elle me dit... Excusez-moi, vous savez où je pourrais trouver un... Et là, j'ai tout de suite pensé à... Un resto chinois, un resto thaïlandais, un resto japonais, un resto vietnamien, des contrefaçons pas chères. Comment on mange avec des baguettes? Mais elle a juste dit... Où je pourrais trouver un fleuriste? Ouais, il y en a un juste là. Merci. J'ai fait mon demi-tour stylé. Je sais que c'est pourri comme approche, mais il est plutôt mignon ce mec. Je lui laisse 10 secondes pour qu'il me demande mon numéro. 10, 9, 8... Mademoiselle! Je vois arriver en courant un jeune noir. J'ai pensé au reportage que j'ai vu hier soir sur TF1, au cours d'autodéfense où je dois m'inscrire depuis 2 mois, à la bombe lacrymo qui est au fond de mon sac et qui ne sert à rien vu qu'elle est au fond de mon sac. J'ai serré mon sac contre moi et il a dit... Tenez, mademoiselle, je voulais vous donner votre portefeuille, vous l'avez oublié. Je me suis sentie coupable, j'ai dit merci. J'ai fait semblant de répondre à mon téléphone, je suis partie. Oh, c'est fou que tu appelles, écoute, c'est incroyable, parce que je pensais à toi. J'avais rendez-vous avec une petite de mon lycée quand j'ai vu cette fille. Je lui ai dit, celle-là, à tous les coups, elle est antillaise. J'ai pensé à mon grand frère, il dit souvent des antillaises. Elles sont chaudes, je t'ai dit, hé petit, écoute-moi bien. Tu veux grandir? Vas-y. Puis je me suis dit, je suis trop jeune et j'ai pensé à. Je lui ai dit, Doudou, j'ai un programme pour toi. On se prend un KFC, on va chez toi, on se mate anti sur scène, je vais te faire rêver ma belle. Elle a sorti son portable, je me suis dit que c'était gagné. J'adore manger un bon mafé en regardant Black Micmac, mais ce sera sans toi. J'ai fait semblant de recevoir un appel. Allô papa? Je suis parti. C'est bon, j'arrive. J'attendais ma pote quand j'ai entendu un homme crier. C'est bon, j'ai pas d'argent, lâchez-moi maintenant. Excusez-moi, monsieur. Je me suis dit, ça, c'est bien le portrait du blanc, riche, et qui n'a jamais d'argent pour les autres, tous des radins. Ouais, allô? Ouais, c'est la fête à Pôle emploi, ça fait des mois que je m'actualise. Je reçois pas mon argent, je suis vraiment dans la merde là. Allô? Putain, c'est pourquoi? Bref. Je crois que je suis raciste. J'étais chine meuf hier, putain. Non mais Raph, je veux dire ce qu'il y a quand même. Les Chinois, elles sont super souples quand même. J'ai arrêté. Mec, tu me rends haut. Mais respecte un peu, tu parles de mes sœurs là. Ah, justement, je respecte, tu fais pas un beau frère mon frère. Moi je suis là, y'a pas de soucis. Hey, c'est l'acte le Renoir dans Heroes. Yo man, I'm in front of the shop. Grand prix. Alright, tout de suite.
Excusez-moi, vous êtes Jimmy Jean-Louis? The Heroes, c'est bien ça là, le... Tout ça en ouverture, Aïssa Maïga, c'est Jimmy Jean-Louis. Oh, hey, non, big up, non. Franchement, super respect, franchement, de ouais, ça fait Sartek comme on dit. Toutes les émissions, tous les épisodes, franchement, bravo, franchement, on est fiers de vous. Bon bah, bonne journée quand même. Merci, hein. Merci, à plus tard. Salut, merci. Attends, ok, je vais être d'accord, mais là... C'est chaud quand même la comédie pour la Renault. The Heroes, tu passes vigile de Franprix, mon frère. Hollywood, Franprix, c'est chaud. Ah, moi je vais dire Richard deux fois. Hein.